C'est lui, le nouvel homme fort du Burkina, ici un terrain d'opération à l'Est. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, encore méconnu du grand public. Il est le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, le nouveau pouvoir militaire. Paul-Henri Damiba était jusque-là le commandant de la 3e région militaire, cumulativement chef de l'état-major tactique numéro 2, le bataillon antiterroriste dans le Grand Est basé à Fadane-Gourma. L'officier de 41 ans est diplômé de l'école militaire de Paris en France et titulaire d'un master 2 en sciences criminelles. À passer quelques moments avec nous pour voir de ses yeux la réalité. Homme de terrain et homme de lettres, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est l'auteur de l'œuvre intitulée L'armée ouest-africaine et terrorisme, réponse incertaine.